moi sur plateau Espérance TV pour émission Tala que tout le monde a apprécié et que grâce à moi qui a présenté Anticosé. Nous allons remercier bon Dieu parce que c'est lui qui a porté la vie à nous, l'espérance en Jésus-Christ et puis la promesse de la vie éternelle. C'est un plaisir pour nous pencher comme nous à sous parole bon Dieu et puis comprendre l'enjeu du grand conflit à la nous dit dans l'homme. Conflit cosmique hein, entre le bien et le mal, et nous les remercier tous les téléspectateurs qui ont gardé et moment à la partager et puis d'autres monde et puis aussi les auditeurs qui ont écouté et Anticosé. Nous allons remercier tout le monde qui a prié pour émission à la et puis pour mon Dieu bah, nous la santé gracien et puis moi c'est pour raison à la ben nous en pleine forme gracien bienvenue dans le plateau. Merci un peu, bienvenue aussi pour nous. Je souhaite de passer un agréable moment en les regard bon Dieu. Je vais profiter pour me saluer au de mon mari qui vraiment a encouragé nous, qui a supporté nous. Et je vais remercier bon Dieu pour le moyen de communication qu'il mettait pour nous faire l'évangile, franchir les frontières pour permettre qu'il entre en identité. Là, nous avons regardé. Ça, vous mettez en œuvre comme matériel à la disposition pour permettre l'évangile prêché. Je dis merci, bon Dieu. Merci pour l'intelligence ou quoi les hommes pour permettre de réaliser cela. Oui, je vais encourager et puis bah, tout le monde qui est en prison, force et puis courage. Bien sûr. Puisque je suis des camarades, des connaissances qui sont en prison, eh bien, je dis bon courage chez Béfort. Et puis là aussi, grand conflit a calé aussi. Et bon Dieu, placer de certains pions pour faire l'évangile à entrer là. Et puis libérer ces mounas pour dire que plus grand prison qu'il n'y c'est rester enfermé à un principe le mal, alors que Jésus vient libérer yo, même si vous fermez d'en bas. Là, on a du choix pour faire positionner comme nous. Très bien. Bien, et bien, pour nous commencer, Gratien, on nous prie. Papa Dieu, c'est un privilège quoi bah nous. Pour nous ouvrir la Bible. Sans lui cet esprit, nous ne pouvons pas comprendre rien. C'est pour raison que là, nous allons souple, quitter le Saint-Esprit, conduire nous, guider nous, enseigner nous toute la vérité en nom Jésus. Amen. La question centrale, deux points gratiens, l'amour ou l'égoïsme. Et texte de base là, nous allons trouver un dedans. Isaïe 41, verset 10, version 8 secondes. Ouais. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. En disant un monde qui est tellement bouleversé, qui a mené tellement malaise, désolation et puis maladie, qui ça en tel passage peut faire en disant la vie en monde, Gratien? Ah, passage là, c'est qu'on dit c'est un médicament. Ou malade, c'est qu'on dit c'est un remède qui a porté guérison, qui a porté espoir, qui a porté courage. Bon, parce que c'est ça qui pas craindre, pas inquiète corps, pas inquiète corps. Moi, c'est bon Dieu. Pas promettre des regards inquiets à droite, à gauche, en tel secours, moi, pas ça si bas, moi, ou inquiète. Il dit, moi, c'est Dieu, moi qui a fortifié, moi qui a venu à secours, moi qui a soutien nous par droite triomphante, moi, c'est bon Dieu. Eh oui. Arrête, agite, et nous commandons tout le monde hein, qui a passé par les épreuves d'y prendre un texte là pour savoir que bon Dieu cadeau papa et cadeau comme ça que il est pur et cadeau comme ça pas promener yeux à dans l'inquiétude mais savent que moi c'est bon Dieu et c'est moi qui a bon force courage qui a porté au secours et puis qui a chébé du droit triomphant qui veut nous mener à la victoire. Exact, ça important, ça primordial, ça capital. Tout le monde, point pour mestre là. Là, en difficulté, en ouvert Bibou, en dit Esaïe 41, verset 10, et puis savent qu'il y a un bon Dieu qui a occupé nous. Gratien, alors, on nous parlait d'un sauveur au cœur brisé. Alors que Jésus était en le mont des Oliviers, qui a surplanté la ville sainte, Jérusalem, tu as été touché, tu as été plein
Pour qui raison et qui sa Bible a dit nous à sous ça? Eh bien, nous avons nous lu ça. Nous avons lu ça, Jean a dit nous, Jean 1, verset 11. Il a dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Elle qui est venue là, c'est la parole. Uh-huh. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est cette parole, Jésus, qui est venue de les siens. Puisqu'au verset 14, il a dit, la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole faite chair là, Jésus, qui sous le mot des oliviers, triste, qui est brisé, il fait tout ça, il te paie. Puis tirer la nation juive de la rébellion pour mener les droits humains, pour connaître le bonheur. Mais le peuple a dit oui. Non, nous pas le bonheur. Là. Et nous croyons que là où Jésus a présenté un certain parabole et qui a montré que bon Dieu était voyé et les prophètes, oui. Ils étaient lapidés, et etc. Et puis vous voyez, pour Pichli, même ça là, c'est réservé. Même ça là, et qui ça qui a poussé Jésus en disant. En tel l'amour, bah, peuple, alors que peuple de plus en plus qu'a vini, rebelle et puis qu'a rejeté en tel salut. Mm-hmm. Alors, on nous voit ce texte-là. Luc 19, oui? 41 et 44, nous allons comme ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleurant sur elle, et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne te laisseront sur toi pierre sur pierre. Ouais. Pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Avant de nous faire commenter le texte là, on va lire Matthieu 23, versets 37 et puis 38. Matthieu 23, versets 37 et 38. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide tous ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et tu ne l'as pas voulu. Très bien, Jean, chapitre, ce texte-là fort, il faut que nous prenions. Jean 5, verset 40, là encore, pour nous, et l'amour de Dieu, mon Jésus a plaidé en faveur du peuple. Jean 5, au verset 40. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Eh oui, eh oui, eh oui. Et gardez comme ça, nous croissons de les Écritures. Tout parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, Jésus. Et vous, vous ne voulez pas venir à Jésus pour avoir la vie. Alors, pour qui raison un sauveur et puis un tiers brisé? Ah oui, ah oui. C'est considéré, c'est un maman ou encore un papa qui fait tout ça et tépé. Pour aider Ishli, pour Ishli épanoui quand il a dans la vie, et puis nous avons Ishla qui a désobéi et qui a pris la mauvaise voie. Tiens, bon Dieu, brisé, parce que l'amour bon Dieu fait de façon pour tirer nous, pour commandement, pour attirer nous, mais nous avons mis un morceau plastique entre les mains. Hein, puis pas coller en le feuille pour nous attirer qu'on nous à Jésus. Et ça a brisé tiens Jésus, qu'on papa. Il a fait tout ça pour garçon venir. Nous avons tout ça, Bible a dit nous, et c'est bon Dieu qui a parlé dans Jean 3, 16. Oui. Il était tellement aimé mon blanc qu'il a fait le garçon intelligent pour sauver, afin que quel que soit mon nom qui croyait, ni la vie éternelle. Mais nous avons que bon Dieu mettait tout en œuvre pour permettre à peuple de saisir salut à la. Salut à la. Et là, c'est là nous avons la portée du grand conflit à la, conflit à la. Le bien et le mal. Mal. À chaque fois, mon Dieu, qu'a voyé en possibilité de salut, bah, peuple, Satan a fait en contrefaçon contre pour que peuple là, oh, oh dit la volonté, la volonté mon Dieu. Alors, et c'est pourquoi là, nous avons lu dans Matthieu 24, verset 15, qui instruction Jésus te bat peuple pour te sauver de destruction
de Jérusalem. Malgré ça, bon Dieu, j'ai peut-être quitté le peuple là à la déchéance totale. Ok. Matthieu 24, 15 et suivant. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans le champ ne tourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez verset 20 pour que votre fuite n'arrive ni en hiver, ni en jour de sabbat, car la détresse sera grande. Eh oui. Alors, quand Jésus avertit et peuplé, ça c'était en prophétie, qui ça qui passait? Le Titus descend en l'an 70 pour détruire Jérusalem et puis toutes les armées romaines. En dépit de toute rébellion, peuple bon Dieu t'a annoncé qu'il y a un jour qui a abrégé, mais faut que ça dise un jour là. Ah, le Titus descend pour détruire, il t'a mis en brèche qui fait éti auquel bon Dieu voyait des signes. La porte d'entrée là, un porte qui fixait en l'air des gros éti auquel peut-être au moins 40 mounes. Pour ouvrir la porte là commence à sortir les gouilles, il commence à balancer quoi, montrer que c'était le temps, le signe pour sortir. Et nous apprenons que tous les fidèles pas péri parce qu'ils ont trouvé porte de votre outil là pour y sortir. Et ironie du sort, les soldats romains pas empêché de sortir. Ils ont sorti. Ils ont expatrié quoi, ils étaient là comme déserteurs. Comme des réfugiés, mais vie sauvée. Mais la grande majorité, peuple d'Israël, et puis toute l'élite religieuse, ils ont péri. Eh oui, oui. L'abomination qui paraît dans les lieux saints, c'est l'armée païenne. L'armée païenne qui est entrée, qui détruit ton plan, qui brûle. Désacralisé ton bon Dieu, et bien là, ils ont fait vraiment en abomination parce que le peuple là est infidèle à mon Dieu. Et Satan, en dit de grand conflit, Wally s'est détruit, désorganisé et dispersé. Ouais. Et là encore, nous allons comprendre que c'est important. Là, nous allons parler de les chrétiens qui préservaient et de manière providentielle. Hein, de manière providentielle. Mm. Et c'est là, nous allons voir la miséricorde, la grâce, la providence et la préscience, mon Dieu, clairement révélée et dit de ces événements-là qui a conduit à la destruction de Jérusalem. Alors Psaume 46, verset 1, c'est un droit de Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous devons saluer nous étudier les psaumes, grâce, c'est important. Et puis, texte là, il a venu en trois, machin, Esaïe 41, 10, ne crains point quand je suis avec toi, promène pas des regards de cœur, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te protège de ma droite triomphante. Donc, nous avons que bon Dieu, en dépit de tout, a resté un Dieu d'amour, au Père, en dépit du grand des rébellions, nous, bon Dieu, ça y voulait. C'est qu'il nous sauve. Et là, nous voyons que bon Dieu, c'est un souverain qui a dominé les événements à sur la terre pour accomplir l'ultime dessein, qui est un dessein divin, bien que bien bon Dieu, que Dieu des fois, modifie, parfois, ses plans en fonction. Initiaux en fonction de nos choix humains, son plan ultime pour cette planète s'accomplira. Il y aura des moments où le peuple de Dieu connaîtra des difficultés, des persécutions, des emprisonnements et même la mort pour la cause du Christ. Mais même dans les moments les plus difficiles, face aux attaques les plus vicieuses de Satan, Dieu soutient et préserve son Église. Et ça, c'est un bel passage, bel passage. Alors, et Gratien, qui est réalité, ce texte-là, qui a révélé nous concernant combat à la, grand combat à la contre les forces du mal. Nous lisons Hébreux 11, verset 35 à 38, et puis Apocalypse 2, verset 10. Hébreux 11, verset 35 à 38, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection.
d'autres furent livrés au tourment. Ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, les fouets, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tous, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les antres de la terre. Car tout cela, à la fois desquels a rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'ils avaient été promis, mais Dieu ayant quelque chose de mieux pour eux, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Eh oui, et là, on est dans une grosse bataille là. Nous avons là où on est en connexion, et puis bon Dieu, quelle que soit la persécution, soit ça aussi des chrétiens qui étaient brûlés vifs, des chrétiens qui étaient sciés en deux, eh bien là encore, c'était un grain de l'évangile qui était cimé, parce que pièce ces bagailles-là, pas faire renier le Dieu suprême et le Sauveur merveilleux. Oui, Apocalypse, alors, Apocalypse chapitre 2, verset 10, c'est un bel passage. Nous comptons en pile, il a dit, ne crains point ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous ayez de la tribulation. Vous aurez donc une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Eh oui. Alors, Gratien, en disant bataille, t'as là. Satan farouche et c'est contre l'église qui a mené les grosses attaques. Alors, nous, jeudi jour, qui a fait partie de l'église bon Dieu, est-ce que nous pouvons craindre que ces mêmes attaques là peuvent virer en les noms pour pousser le peuple à dire et puis faire perdre la foi? Absolument. C'est la même stratégie que Satan met en place là. C'est la même stratégie qu'il a. Et c'est ça nous avons dans l'église primitive qui modèle nous. L'église primitive qui modèle nous. Nous avons dit tous les chrétiens, il ne faut pas nous avoir peur, faut pas nous perdre. Faut pas nous pas servir bon Dieu, parce que bon Dieu c'est refuge secours pour nous. Et s'il décide que c'est là pour nous mort, nous qui mort, mais ça qui est important c'est nous mort dans la foi. Et nous ben nous on dit pas ça sur la tragédie des siècles. Page 35. Et les efforts de Satan. Les efforts de Satan pour détruire l'église par la violence étaient inutiles. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtaient pas à la vie de ses fidèles avec témoins, avec la vie de ses témoins fidèles tombés à leur poste. Apparemment, vaincus, ils étaient vainqueurs. Les serviteurs de Dieu pouvaient mourir. L'évangile continuait à se répandre en nombre et ses adhérents allaient en augmentant. Ça qui veut dire, un bateau périt, pas qu'à empêcher l'autre de naviguer. Là, nous avons regardé la persécution. Et qui défie l'Église tenue à affronter en telle persécution? Et qui ça qui déclenchait en telle persécution? Là, on a prêché l'évangile et pourquoi vivre l'évangile, ça a déclenché la persécution. En notre texte là, acte chapitre 2, acte verset 41, 2. Acte 4, verset 4, et verset 31, acte 5. Et c'est là nous avons les actions dans le livre des actes des apôtres. Ok. Ouais. Acte 2, 44, 47, nous lisons. Ah, ça, c'est des textes encourageants, ben nous. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, partageaient leurs produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans la maison, prenaient leur nourriture avec simplicité et joie. Et louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, oui, très bien. Et texte qui était intéressé, nous, c'est ceux qui acceptèrent sa parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Yes. Mais c'est ça qui a poussé la haine de Satan, les cahouets que bon Dieu a délivré certains mondes et qui a tourné dos. Bah, le monde et puis les principes qui comptent
la vérité. Absolument. Et puis on va tourner quand même vers bon Dieu. Mm-hmm. Ça a suscité en haine. Exactement. Parce que les disciples augmentaient. Mm-hmm. On va aller, acte 4, verset 4. Acte 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. 5000, ça extraordinaire. Mm-hmm. Ouais. Là, nous, ouais, c'est environ 3000, mm-hmm. Il a augmenté là, c'est environ 5000. Yes. Diabla n'est pas content parce que bon Dieu a tiré Yishli en bas griffli pour mener au salut. On nous prend acte 5. Et il tenait verset 31 aussi. Verset 31, acte 4. Acte 4, verset 31. Verset 31. Nous allons lire acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Chaque fois qu'on a annoncé la parole de Dieu, mmh. Et puis assurance. Ouais. Ça a suscité en haine et puis en persécution de l'ennemi. Oui, absolument. Et nous croyons que ça a dérangé. Et mon père dit, puisque mon évangélisation constamment, mon occasion hostilité et puis difficulté. Mm. Mais il faut que prêche la parole là. Acte 5, 42. Oui, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Eh oui, on n'a pas dernier passage encore. Acte 8. Acte 8, ça c'est l'action et nous croyons la djéa vraiment réelle, Gassian. Mm-hmm. Accéléré. Alors, acte 8, verset 1. Dans 8, il a dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, prêchant le Christ, des foules entières étaient attentives à la voix de ce que disait Philippe. Et ils apprirent, et lorsqu'ils virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient plusieurs démoniaques poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans la ville, oui, il y avait auparavant dans la ville. Donc, nous voyons que chaque fois, oui. L'évangile qui a prêché, il est en fait ouvert, il y a des adhérents, monde qui a accepté le Christ. Heureusement, et l'ennemi, colère lui qui a levé, et c'est pour raison à là, il a mené grande persécution contre les disciples, fait yo en prisonnier, ouais. Et fait yo et mené yo à la mort, condamné, fouetté, et etc. Mais nous croyons que toujours, que le cœur des disciples était toujours rempli de foi, d'amour. Et puis il tenait un seul regard, c'était à sur le Seigneur crucifié, ressuscité, ouais. Qui était changé la vie, et puis bouleversé tout barré. Alors, qui ça nous peut tirer comme leçon? Et de l'église primitive, Gratien. Nous ni un exemple en église, quoique persécutée, quoique difficile, mais ils ont braqué le regard, ils ont le Jésus, ils ont recevoir la puissance, et c'est par la puissance du Saint-Esprit, ils ont réalisé tout ça qui fait là, et c'est un joie pour eux d'y servir mon Dieu. Nous n'y appuyons pas exemple, nous, oui. Qui vivons dans le temps pacifique, mais nous pas oublier que le temps mauvais qui vient. Alors, nous avons un autre exemple encore pour nous voir de quelle manière il y a un qui a pris soin de l'autre dans la communauté de l'église primitive. Et là, nous avons de quelle manière l'église primitive était qu'à vivre foyer, et puis qui exemple, nous, Jodia. Nous, on dit dans. Oui. Et il était qu'à vivre l'évangile, il était qu'à prêcher. Mais on nous vit à présent dans acte 2. Et nous, quand on lit ces passages-là, où vous avez commencé l'italien, acte 2, verset 44 à 47. Nous allons lire. Pour nous bien comprendre ce qui est passé, là, qu'à vivre en communauté, sous la direction du Saint-Esprit. Verset 44, acte 2. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. On a noté ça. Ils étaient dans un même lieu. Oui. Ils avaient tout en commun. Mm-hmm. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit de la vente entre tous selon les besoins de chacun. Mm-hmm. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus
dans le temps. Souligner, ça c'est important. À présent, l'on fait en sainte convocation, ou inviter peuple là pour une semaine de réveil, ou inviter peuple là pour un effort d'évangélisation. Mais tout le monde a dit oui, acte des apôtres. Mais il était assidu. Oui. Et chaque jour au temple. Et c'est important. Je dis, je me pour nous disperser. Ça veut dire que nous avons un problème depuis le Saint-Esprit. En nous encore. Nous prenons le pain dans la maison. Prenez la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En nous prenons acte 3, versets 6 à 9. Ça acte bon. Pour nous comprendre ici, acte 3. Alors c'est l'exemple de Pierre et puis Jean qui a monté au temple pour prier, au verset 6. Alors Pierre leur dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Eh oui. Et là, nous croyons, et Pierre et puis Jean, qui a tchébé par la main, qui a levé, qui a porté... et soukou pour y pisser à Doubout. Donc, nous sommes en mission importante. Des fois, nous ne sommes pas théologiens, nous ne sommes pas techniciens de la prédication, nous ne sommes pas enseignants. Mais c'est témoignage nous qui est important, même si vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez rien, mais on est Jésus-Christ. C'est plus grand richesse. Exactement. Donc, chacun monde peut partager Jésus-Christ. Et ça, important, on dit dans tant à là, parce que nous, on dit dans grand conflit, et nous, tout là, on les terrains, l'ennemi, pour combattre, etc. Absolument. Mais l'assurance, nous, négation, c'est qui ça? L'assurance, c'est que bon Dieu là, et puis nous, il dit, je suis avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Eh oui. Donc, nous, quand on a aussi, Adam, comportement, s'il y a des améliorations à faire, l'Esprit Saint a guidé pour trouver des améliorations. Acte 6. Nous, quand en acte 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent, les juifs de l'autre côté murmurèrent contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude et ils prennent une décision. Invitez ce moment-là. De continuer cette lecture-là, et c'est important. Les 12 convoquèrent la multitude et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, verset 3, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on a de beaux témoignages, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur chargerons de cet emploi. Et nous nous appliquerons à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à l'Assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi, d'Esprit Saint. Nous avons invité de lire ça. Alors, on nous prend et texte à la grâce pour nous passer, pour nous faire un dernier point. Et acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Eh oui. Mm-hmm. Et c'est ça qui était qu'à fortifier et les croyants du Nouveau Testament, parce qu'ils étaient qu'à suivre un seul modèle. Oui, Jésus. Qui était con. Il a exprimé Pierre. Ouais. Pierre a dit, il était loin du Saint-Esprit et de force. Et il était allé de lieu en lieu. Voilà le modèle que Jésus quittait à nous. Absolument. Grâce à tant qu'à garer nous, lisons tellement belle parole, mon Dieu, tellement intéressant. Eh bien, on nous fait un dernier point. Et qui ça? Ces passages-là qui a révélé nous en l'air. Les défis lancés par Satan contre le gouvernement bon Dieu, on dit dans le grand conflit là. Oui. Jean 13, verset 35, et puis 1 Jean 4, 21, puis nous finissons en noir. Jean 13. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bible dit nous, c'est Jésus qui a parlé au verset 35. Soulignez ça. Ouais. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si à quelles conditions? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pour qui le prince de l'amour. Jésus dit, aimez-vous les comme les autres. Je vous ai aimé. Ensuite, dernier texte là, 1 Jean 4, verset 21.
1 Jean 4:21. Et nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Oui. Jean 5, hein? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc on ne peut pas dire que vous aimez bon Dieu et puis vous haïs frère ou kawé tous les jours. Ça, bon Dieu, commandez nous, c'est mettez en dedans nous, même l'amour, même grâce là, même affection qui est en Jésus-Christ, et puis même engouement qui est né pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, et puis déraciner les gens qui sont attachés, enchaînés par le diable. C'est ça, mission nous, et c'est ça, bon Dieu, qui attend de chacun de nous. Qui bon Dieu bénit nous, en nous persévérer, en disant grand conflit à la. Nous a ni la victoire parce que la victoire de Jésus, c'est victoire nous gracions. Et si nous comprenons à Jésus, l'ennemi a fait bataille. Gracions, priez. Papa bon Dieu, ou sans Dieu d'amour, et l'amour révélé quoi à travers Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, Bible a dit nous, il était calé de lieu en lieu, fait du bien. Et nous-mêmes, nous qu'a dit, nous sommes disciples de Jésus. Bon Dieu, souple, ben nous le Saint-Esprit, pour nous aller de lieu en lieu, pour nous mettre tout en commun, pour nous aimer frère et puis c'est nous, pour nous marcher ensemble, pour nous ça représenter, au cas où dit nous, si nous pas fait ça, le monde pas qu'il croit que Jésus vient. Souple, papa, aide-nous à humilier comme nous, aide-nous, mon Dieu, à jeter comme nous à pied, pardonnez-nous les erreurs, nous. Pardonnez l'égoïsme, nous. Nous ne pas les cultiver l'égoïsme, nous les cultiver l'amour, de telle sorte que les mots kawé, que véritablement nous connaissons Jésus, nous marchons et puis, et c'est lui nous qui attend pour glorier nous, pour mener nous au ciel. Bon Dieu, permet que l'Esprit Saint motive nous pour nous aller de l'avant et qu'un grand moisson d'âme, comme on dit dans le texte-là, que le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église. Tout ça qui sauve, c'est prier moi en nom de Jésus. Amen. Amen.